sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur Last of Us, sur la deuxième vidéo. Donc, on va continuer un petit peu l'aventure. Allez. Allez, on va aller faire un petit tour là-dedans, voir un petit peu ce qu'il y a. Ma belle, comment ça va aujourd'hui? Pas maintenant, Terence. Non, c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris? Pas maintenant, t'as dit, Terence. Il va falloir pas faire le con là, parce qu'il y a quand même des pitbulls. Les mecs m'ont l'air sacrément armés en plus. Si tu touches, tu payes. Ça, ils font des fights et tout. Bon, bah, heureusement qu'elle est là, cette Tess là, parce que sinon, à mon avis, je me serais fait défoncer la gueule, mais vite fait. C'est qui? Une vieille prise de tête, je cherche pas. J'ai l'impression qu'on peut aller un petit peu partout là. Bouillon d'avis, j'en ai un peu rien à foutre. Alors oui, je sais, j'aurais pu ramasser la fiche, mais j'ai la flemme. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure, il est retourné au quai. Il y a encore. Ce que j'aime dans l'idée de ce jeu aussi, c'est que, en fait, on a affaire à des espèces d'hommes infectés, mais aussi on a affaire à d'autres survivants, ainsi que l'armée, ce qui fait que ça nous donne vraiment plusieurs points de vue en fait de ce qui se passe, et qui donne plus d'action et de choses qui vont changer dans le jeu, quoi. Et je trouve ça vraiment sympa de la façon dont ils ont fait ça. C'est parti. Faut qu'on passe. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Oh putain, elle a été directe, hein. Bon, par contre, vous avez vu, il y a toujours ces problèmes de... de synchro au niveau du son. Ça, c'est vrai que c'est vraiment super lourd parce que ça gâche un peu la fête. C'est de là. Oh putain, la bastos que je me suis pris. Bon, heureusement que c'est pas, je suis pas comme eux, parce que vous avez vu, moi, une balle dans la tête, ça les tue direct. Oh, non, putain, lui, il est pas mort. Voilà. À savoir que les balles sont relativement limitées. Bon, je suis en mode normal. Hein. En mode normal encore, ça va, des balles vous en avez. Hein. Parce que si vous jouez en mode réaliste, déjà des balles comment vous en avez carrément pas beaucoup. Tous les rameuter. Robert est doué pour une seule chose. Allons y mettre un terme. J'ai vérifié juste s'il restait pas quelques balles qui traînaient par terre. Hé, hey, aide-moi à monter. Pas super poli la dame. Hein. Bon, pourquoi ça veut pas là? Ah, ça y est quand même. Ok, bien. Donne-moi ta main. Ok. Je me souviens un petit peu de ce passage. Et si je me trompe pas, il va y avoir baston là. Par ici, Joël. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a ça avant, oui, j'avais oublié, ouais. Encore des gardes Robert. Comment tu sais que je les vois? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain.
On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Vous voyez, elle lui passe quasiment devant, le mec il voit rien quoi. Bon, on va essayer de tenter de la faire discrète. Alors je vous ai dit, moi la discrétion c'est pas mon truc. Mais je vais quand même essayer. On va essayer histoire de... de voir si je peux y arriver ou non. Un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Prends celui que tu veux, je m'occupe de l'autre. Ouais, ils les ont alignés contre le mur et pam, pam, pam. Ils ont tous été. Putain de merde. Ouais, quels appartements en ville. Ils la font dessus sans ménagement. Bon. Sérieux? Allez, hop. Ah mais elle l'a pas chopé. Elle se fout de ma gueule. Elle me dit je m'en occupe. Putain, elle est en train de se prendre une branlée. Putain, en plus y a un mec là-bas au fond là, je l'ai vu là, qui bougeait là. Viens là toi. Tiens. Putain. Et moi je pensais vraiment qu'elle allait synchroniser avec moi et choper le mec, en fait pas du tout. Bon. Putain, elle fait chier. Hein. Ou alors peut-être qu'elle m'avait dit de choper ceux du fond, j'ai même pas fait gaffe s'il faut. Voilà, au moins ça c'est fait. Allez, on fouille le coin. Ouais bon, je vais aller fouiller d'abord comme elle m'a dit. Allez, pousse-toi. Putain, c'est pas vrai, hein. Elle va me faire chier celle-là. Déjà, elle me parle pas bien et en plus, elle se fout devant moi. Voilà, je me suis repris un petit peu de vie. Ah bah, le mec, il avait une clé sur lui. Ah bah s'il faut, la porte elle est fermée à clé là-bas. Ah, je peux pas monter là-dedans. Peut-être par l'avant du camion. Ah, il a pas l'air de vouloir. Pourtant il me semblait qu'on pouvait monter sur les camions. Bon. C'est pas grave. Bon, la discrétion ça a pas été trop ça, hein. Ah ouais, c'est ça, il fallait une clé. Hey, on a consolidé les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert, alors? Il se planque chez qui cette nuit? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. D'accord. Bon, on va retenter la discrétion. On va commencer par lui là. Donc, comme vous l'avez vu, hein, les bouteilles, on peut ramasser des briques aussi, qui nous permettent de faire des diversions. Il y a moyen de s'arranger, ok? Non, non, on va pas s'arranger là. Tu vas venir avec moi là, par là. Hop là, on va pas faire de bruit. Voilà, fais dodo, fais dodo. Ça sert à rien de résister. Bon. Il en reste deux là-bas. J'ai même pas fait gaffe par où ils étaient partis, les mecs. Vous avez vu, il y a quand même un léger aliasing sur le jeu, mais franchement, ça va, il est pas énorme. Il est pas énorme. Mais c'est vrai que je pense que quand même pour une version remasterisée, ils auraient pu essayer de faire quelque chose d'un peu plus lissé. Mais bon, après c'est vraiment un petit détail parce que c'est pas très très gênant quoi.
Putain, mais ils sont où? C'est pas possible. Bon. Je vais passer par en haut plutôt. Oui, ça rentrait dans le hangar apparemment. Alors, j'en ai un là, j'en ai un en bas. Ok, ça correspondrait bien aux deux mecs que j'ai vus tout à l'heure. Oh putain, il y en a encore un autre en face là-bas, j'ai vu. Sur la droite. Écoute-moi mon pote, fais pas de conneries, ok? Mais non, on va pas faire de conneries, on va te faire la prise de Spock, tu vas dormir. Bon, maintenant il va falloir choper les autres. Ah putain, il y en a encore deux. Putain, je l'avais pas vu celui-là. Ah, je crois qu'il y avait que le mec sur la passerelle là. Oh là là. On va essayer de le choper lui, hein. J'espère que l'autre il va pas me voir. Mais comme à fond, l'autre c'est n'importe quoi. Alors ça par contre, ils l'ont pas changé en fait. J'espérais qu'ils aient réparé ce truc là, mais en fait non. Elle court de partout, devant les autres et tout quoi, c'est n'importe quoi. Heureusement que t'es là. Ouais, heureusement que je suis là, mais heureusement que... Ouais, mais elle est là aussi. Heureusement qu'il les voit pas. Elle est transparente la meuf, c'est un fantôme. Ah ça c'est vrai que c'est dommage, ça gâche un petit peu l'immersion du jeu quoi. Bon, je vais attendre qu'il fasse demi-tour là, parce que si j'y vais comme ça, je pense que je vais m'en prendre une directe. Par contre, ce qui fait chier, c'est que il y a encore l'autre qui est en bas aussi. Ouais. Je sais pas s'il m'a vu. Eh oui, il est en train de me voir, ça doit être par rapport au bruit que j'entends. Eh oui, ça y est, il m'a vu. Bon, de toute façon, s'il reste que lui, ça va. Pas mal. Certainement monter l'escalier, je vais pas m'emmerder. Putain, mais pourquoi le tirer dessus? Putain, ça l'a dévié. Bon, voilà, au moins on est peinard. On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Non, c'est pas qu'un fasse. Ouais, c'est carrément, ouais. Alors, le surin est une arme furtive. Oui, bon, ça, c'est un truc que vous pouvez fabriquer vous-même aussi. Et ça vous permet de tuer un ennemi d'un coup. Quand vous arrivez par derrière. Les quais sont par là. D'autres gars, ouais. Bah, si les autres gars ils font comme elle, là, qui passent devant tous les autres, là, oui, il vaut mieux qu'on soit que deux. Alors, ah, peut-être plutôt la chaîne, ce serait peut-être mieux. Il se casse. Allez, finissons ça. C'est bien parce qu'ils vous mettent dans le feu de l'action, mais. Vous avez pas le choix. Hein. On a perdu le contact au nord. Même chose au sud. Mais je ne sais pas s'il reste quelqu'un. Il faut qu'on réfléchisse. Ils sont nombreux. Bon, je vais essayer de faire le tour pour entrer dans le hangar là, parce que ça sert à rien que je les affronte tous.
vais essayer d'éliminer discrètement ceux qui m'emmerdent vraiment. Enfin, dis-moi, je vais essayer. Écoute, mec. Rien ne s'arrange, ok? Heureusement, je peux les traîner un petit peu parce que sinon. Et ouais, les mecs ils sont arrêtés en fait, je peux pas les voir. C'est pour ça en fait, tout à l'heure je voyais pas le mec. C'est parce que le mec il était à l'arrêt. Vu qu'en fait c'est Louis, en fait c'est par rapport au bruit. Et donc c'est pour ça qu'on voit les silhouettes en fait, c'est quand les mecs ils marchent en fait. Pas mal que je puisse les attirer ailleurs. Vous avez vu le mec quand il marchait, je le voyais. Et dès qu'il s'arrêtait, en fait, là, je le vois. Ah si, je le vois encore. Putain, c'est bizarre ça. Je comprends pas. J'avoue ne pas bien comprendre ce système là. Je sais même pas s'ils auraient dû le mettre ce truc. Je sais que c'est pour faciliter la tâche au joueur, mais bon. Alors, on va essayer de tracer par là. Je vais essayer d'être discret. Oh putain, il y en a un qui me fonce droit dessus. Ah, je vais l'éliminer lui parce qu'il va me faire chier. Lui, je le sens pas. On se calme. Je suis très calme. Toi, tu vas aller par là. Voilà, à l'abri des regards. Et hop là. Après c'est vrai qu'au niveau de la jouabilité il n'y a rien qui change hein, par rapport à la version PS3, hein. C'est exactement la même jouabilité, le pavé tactile sert pas plus que ça en fait. Il vous sert juste à aller dans les options, ce qui fait qu'il remplace plus ou moins le bouton Start ou Select de la PS3. Donc voilà, en fait, mais sinon c'est exactement la même jouabilité. Le bureau là, Robert a dû s'y réfugier. On y va. Oh putain, oh la vache. Dégage. Oh, ça va, il m'a pas filé l'alerte. Putain, j'ai... En plus, il me voyait pas ce con, vous avez vu, il a mis du temps à réagir. Remarque-moi aussi, hein, j'ai été surpris. Vous voyez les bouts de bois comme j'ai ramassé là, en fait, là, le truc au bout d'un moment va se casser, il reste plus qu'une barre de vie, je le réutilise une fois, et là, le bout de bois va se péter. Reculez, reculez, bordel! On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Robert, rends-toi! Tu es fait comme un... Robert! Un hippocampe. Joël, par ici! Putain, il a l'air de courir vite ce con là! Putain, j'avais complètement zappé ces scènes en fait. Hein. On a failli la voir! Oh non, cul de sac! Putain, je me suis fait baiser la gueule! Mais non! Ouais, j'arrive! Joël! Salut, Robert! Tess? Joël? Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Oui. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois... Ah oh, merde! Ah stop! 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 Merde! Arrête de gigoter. Tu disais? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes?
Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire, des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant. Bon bah le pote Roberto là, il a pas fait long feu. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. La meuf elle est sans pitié quoi. Je connais un autre chemin. Venez. Je vous dis que le mec il va en faire des efforts dans le jeu. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Oula. Ce sont les Lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Eh, hey, du matos. Jetez un petit coup d'œil s'il n'y en a pas d'autre. Joël, donne-moi un coup de main. J'arrive. Ça sent pas bon, elle a sorti son flingue là. Jette un petit coup d'œil quand même parce que s'il faut que je passe à côté de truc là. Stop, des soldats. C'est la sortie, la porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Et ouais, là, ça rigole plus, c'est carrément l'armée. Là, faut que je fasse gaffe parce que les mecs, ils sont tous armés. En plus, je sais même pas s'il y en a pas contre des fusils.
Là, il va falloir que je sois discret. Je prends celui-là. Faites le tour. N'attends pas, soldat. Bon, 1, 2, 3. J'imagine qu'il y en a un autre à l'intérieur parce qu'il avait l'air de parler, le mec, à quelqu'un. Donc ça fait 4. On va commencer par là. Et ouais, il est là. Et j'espère qu'il va pas me faire le coup de poing. Non, c'est bon. T'as gagné. La dernière fois que j'ai eu un truc comme ça, je pensais que ça synchronisait. Et en fait, pas du tout. Pas de bruit, je suis bien d'accord, mais enfin, je vais essayer quoi. Ok, oh, mais il m'énerve à faire ça à chaque fois, ils me surprennent quoi. Lui. Ok, ok, écoute, t'es pas obligé de faire ça. Il y en a un autre sur le pont en plus, hein. Pas mal. Je vais retourner voir s'il n'y a pas du matos là-dedans, il me semble qu'il y avait des trucs qui brillaient tout à l'heure. Voilà, ça c'est bon ça. Ouais, faut que je me gaffe parce que après je vais vraiment en avoir besoin de ce matos. Hein. Après c'est vraiment vraiment utile de pouvoir upgrader ses armes, enfin pouvoir upgrader un petit peu tout en fait de toute façon. Putain, mais sur combien il y en a encore deux là. Il a buté quelqu'un le mec là. Ah ouais, ça va être compliqué là s'il se fout juste en face. Ah, s'il reste de dos comme ça, ça va, mais s'il retourne sur le pont. Ah, il y a deux mecs qui ont été abattus sur le pont. Bon, écoutez, je vais faire le tour, je vais essayer de les choper un par un. C'est qui lui? Mais non! Ah putain, il y en a trois en fait! Ouais, c'est... Oh putain! Alors ça va, il descend, putain, heureusement! S'il redescendait pas, je crois que j'étais foutu! Ah, les balles, on les prendra après. Ah, je suis étonné de pas avoir été repéré. Parce que bon, c'est vrai qu'en général, je vous dis, dans ce genre de jeu, je me fais repérer assez rapidement. Vu que je suis vraiment très très peu discret. Et là, pour l'instant, ça passe. Bon, je vais récupérer mes balles. Je vais dire parce que si jamais l'autre remonte, je ne devrais pas qu'il me tire dans le dos. Et ben le voilà. Par contre, je sais pas si je peux l'attraper direct s'il m'arrive de face. Ah le con. Oh merde, putain, je me suis loupé. Allez, putain, pour l'attraper dans l'escalier. Ah l'enfoiré. Oh, le coup de latte qui s'est pris. Bon, je vais retourner voir sur le pont. Oui, je sais qu'on est pas loin. Allez, laissez-moi passer là.
Je vais voir s'il n'y a pas un petit truc à récupérer sur eux là. Putain, ils ont dû se faire abattre comme des chiens. Bon, apparemment, il n'y a rien. Je vais quand même garder mon flingue à la main, on sait jamais. Et je me fie pas aux autres personnages là quand ils sont debout, parce que je vous dis, des fois ils sont debout devant les ennemis ils les voient même pas, donc par contre moi s'ils me voient à 20 mètres, je me fais exploser la gueule. Oh la discrétion. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Tu déconnes, Marlène, tu déconnes. Comment tu te sens? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Comment tu te sens plus pour longtemps? J'ai pas trop on compris le sens. Arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Oui, mais je ne suis pas dehors. La marchandise. Je vous montrerai. Joël, donne-moi un coup de main. Oh, la lourde. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Mais ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit je une blague. Pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.